Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer une cuillère tandem. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une cuillère avec deux palettes. C'est rien de très compliqué, mais c'est deux fois plus de vibration pour attirer le poisson. Donc on va utiliser de la corde à piano. Le mieux ça serait de la crinelle d'acier, mais j'en ai pas, donc je vais faire avec de la corde à piano. Il va vous falloir des sleeves, simples ou doubles, selon la taille, selon ce que vous avez envie, des perles, des masselotes pour le poids, également c'est vous qui choisissez la taille, le poids, deux palettes avec des étriers, et hameçon triple ou simple, selon vos envies aussi également. Donc, on va commencer tout de suite, ah oui, et puis quelques accessoires, hein, des pinces, tout ce qu'il y a de plus classique pour pouvoir faire ce petit tuto. Donc on va couper déjà un morceau de corde à piano ou de crinelle d'acier selon ce que vous avez. Ensuite, donc j'utilise un tournevis pour plier ma corde à piano. Hop, voilà. J'utilise ma pince pour serrer un petit peu l'embout si je galère pas trop. Un petit peu chiant parce que ça tourne dans la pince. Voilà, super. Vous y mettez votre hameçon triple ou simple selon ce que vous avez choisi. Voilà. Vous prenez un sleeve. Hop. Vous mettez, voilà, hop, et à part là, voilà, votre pince à sleeve, voilà, vous coupez votre excédent. Ça nous donne déjà la base. Ensuite, vous allez insérer votre masselotte, tout simplement. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez mettre une première perle. Voilà. Vous y mettez une première palette. Hop. Si je la mets à l'endroit, ça sera mieux quand même. Voilà. Ensuite, vous y remettez trois perles. Mince. Hop. Une. Et 3. Vous mettez votre deuxième étrier avec votre deuxième palette. Voilà. Là, je vais mettre une perle plombée en fait. C'est pareil pour faire un petit peu plus de poids. Vous mettez votre sleeve. Vous allez refaire une boucle. Voilà. Vous vous repliez. Pas trop, parce que de façon à pouvoir mettre quand même votre agrafe. Voilà, je pense que c'est bien. Cette fois, vous allez couper tout de suite votre excédent, en laissant assez pour pouvoir installer votre sleeve. Voilà. Hop, là, je m'accroche un peu partout.
Maintenant, vous y mettez votre sleeve. Voilà. Vous serrez le tout. Et voilà. Votre cuillère tandem est faite. Tout simplement. Il n'y a rien de plus facile. Ça a pris 5 minutes une fois que vous avez les matériaux, même pas. Et voilà. Super efficace sur le carnassier. Je pense que ça doit être faisable également pour la truite. Mais bon, dans ces cas-là, il faudrait peut-être des plus petites perles. Je sais pas. J'essaierai à l'ouverture. On verra bien. En tout cas, c'est super efficace sur le carnassier. Ça, c'est clair. Déjà, je pense que vous savez que les cuillères, ça marche déjà très bien sur le carnassier. Mais en double palette, ça marche encore mieux. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pourquoi pas partager la vidéo. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto au bord de l'eau. Allez, salut tout le monde.